Il était une fois une jeune fille solitaire qui n'avait rien d'extraordinaire et qui faisait son petit bout de chemin dans la vie. Elle marchait à petits pas tout en cueillant des fleurs au bord du chemin. Soudain, quand elle releva la tête, elle aperçut une créature étrange qui lui barrait la route. Qui es-tu? Je me nomme Apaxis, la vipère grincheuse, car je suis toujours d'une humeur exécrable et je ne souris jamais. Mais pourquoi tu ne souris jamais? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est de ta faute, car tu obstrues mon chemin. Écarte-toi, sinon tu vas connaître les foudres de ma colère. La jeune fille réfléchit un instant, et avec un sourire moqueur et un regard franc, elle répondit: Non. Apaxis, désarçonné, dit d'une voix menaçante: Je t'aurais prévenu. Tant pis pour toi. Et d'un élan, elle se jeta sur elle et l'avala tout cru. Mais c'était sans compter sur la pugnacité de notre jeune héroïne qui, d'un coup d'épée bien placé, trancha le haut de la tête de Apaxis en deux. La vipère grinceuse gémit de douleur et, sonnée par le coup, elle vacilla. D'un geste brusque, la jeune fille, encore couverte de ce qui tapissait les antres de la créature, sauta sur la bête et l'acheva. Puis, comme si de rien n'était, elle reprit sa marche tout en sifflotant. Alors qu'elle s'engageait près d'un précipice, une voix grave se fit entendre au loin. « Ne t'approche pas du bord, tu pourrais le regretter. » Elle s'arrêta, fronça les sourcils et scruta le paysage d'un air suspicieux. « Qu'est-ce que tu me veux ?» Une deuxième voix, plus proche et émanant de derrière elle, se fit entendre. « Qui es-tu pour t'adresser à nous de la sorte? Tu n'es encore qu'une enfant. « C'est ce que vous dites. Montrez-vous. » C'est pas bientôt fini, petite insolente? La jeune fille fit volte-face et, imperturbable, elle dévisagea d'un air de défi le pire monstre qu'elle ait pu voir jusque-là. Face à elle se tenait une créature à deux têtes. L'une portait une barbe sanguinolente, tandis que l'autre arborait une chevelure ridicule, ébouriffée. Le Coronibule. Elle saisit le cou de la première et serra de toutes ses forces. L'autre tête s'approcha et tenta, à coups de dents, de libérer son acolyte. Notre héroïne encaissa les coups. Pan, pan, pan. Jusqu'à ce que l'autre tête tombe, inerte. La tête restante pousse un cri affreux de douleur mêlé de rage. Ah! Sans plus attendre, la jeune fille s'empara d'une lourde pierre et asséna un grand coup sur la dernière tête. La bête sonnait et vacilla tout en gémissant et... En un ultime effort, la jeune fille acheva la bête. La jeune fille reprit son souffle, avant de reprendre sa route vers de nouvelles aventures.